Bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Fortin. Donc, je suis présentement au Salon de l'Ordre des ingénieurs du Québec avec ici mes deux robots pour vous présenter mon projet qui est Naova. C'est un projet qui a vu le jour à l'École de technologie supérieure à Montréal et c'est le premier projet de ce genre au Canada. L'objectif de notre projet est de participer à la Coupe du monde de robotique dans la division de soccer avec ce modèle de robot. Donc, chaque pays a le même robot et va compétitionner de façon avec leurs algorithmes et les différences dans leur code pour voir comment leur code serait meilleur que celui d'un autre pays. Donc, cette confrontation-là va avoir lieu cette année à Montréal au Palais des Congrès du 16 au 22 juin. Et c'est là qu'on va pouvoir aller compétitionner parmi les autres pays. Les défis technologiques de Naova sont surtout sur, la programmation en tant que telle, puisqu'on ne sait pas d'avance nécessairement ce que les autres pays vont faire, puis il faut trouver une innovation par rapport à ce code-là. Donc, nous, cette année, on s'est développé sur la stabilité des robots, donc un algorithme qui permet aux robots de mieux se déplacer. Et lorsqu'ils rentrent en collision avec d'autres robots, notre robot, on espère, ne tombera pas. Et on a fait également un apprentissage machine pour être capable d'améliorer leur vision, pour reconnaître plus facilement la balle et ses adversaires sur le terrain, sans avoir de dépendance avec la luminosité qu'il pourrait y avoir. On espère que ces avantages-là vont nous donner un meilleur contrôle sur le terrain de soccer contre nos adversaires. Donc, c'est ce qui est développé à l'ETS à Montréal et présenté aujourd'hui au Salon de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Merci!